Les Démiurges, de Nikos et Géros. Acte 3. La scène se déroule plusieurs années après le bagne. La pièce se trouve noyée dans une lumière obscure. Sur le côté, l'on aperçoit une jeune femme avec une bougie à la main. Elle marche d'un pas décidé et allume sur son chemin toutes les bougies de la pièce. Anna Grigorievna Snitkina, en illuminant la pièce, nous fait découvrir le bureau de Fiodor Dostoïevski, où d'innombrables livres s'entasse sur les étagères, sur la table, partout. Fiodor, en fumant sa pipe, parcourt de long en large son bureau. Il est sur le point de créer. C'est un nouveau jour, une nouvelle vie. Tout reste à faire. Mais à présent, ils sont deux.